Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online, donc que j'ai téléchargé hier durant la soirée. Et je me suis dit pourquoi pas commencer un petit genre de mini let's play, on va dire, sur ce jeu avec vous, en faisant un petit peu à mon aise, enfin comme d'habitude quand je me prends pas la tête. Juste les jeux à quelle classe et quelle race je vais prendre. De toute façon on la voit déjà, la race que je vais prendre, j'ai pas encore créé le personnage, je vais le faire avec vous. J'ai déjà choisi son pseudo pour rester dans les normes du RP de Skyrim. Jikadar, J qui veut dire jeune, Dar qui veut dire voleur, et K bah c'est juste le nom, voilà. Donc voilà, on va partir. Donc là on a Chevalier Dragon, c'est l'expert du maniement des arbres, emploie l'ancienne tradition des arbatios, Akarivois, de la voie de l'ardeur. Sauf que c'est pas ça que je vais prendre, il y a sorcier, templier, bon c'est sûrement ceux qui sont sorciers aussi. Moi je vais prendre l'âme noire. L'âme noire, donc qui sont des lames noires, sont des aventuriers, des opportunistes qui gravitent autour des enduits, comptant un savant mélange de furtivité, de compétences martiales et de vitesse. Elles prospèrent partout où règne le conflit et l'infortune, en se remettant à leur chance et à leur ruse pour survivre. Donc conclusion, si vous avez bien compris, bah, c'est un voleur, un assassin, on va dire ça comme ça. Alors, voilà, là je peux commencer à choisir le corps. Donc je peux choisir gros, très fin, c'est en fait on a l'impression de mourir. Moi ce que je vais faire c'est hop, on va faire ici comme ça, taille on va le mettre plutôt grand. Ça sera un grand Khajiit. La peau. Parce que je peux choisir aussi, on a les tatouages, hein. On a les tatouages en fait par après, tatouage corporel, et normalement si je me trompe pas, je vais un petit peu tester hier. Voilà. Ça en fait, si je fais une peau plus ou moins comme ça, c'est par rapport à ma copine en fait, c'est une petite référence pour ma copine qui est son chat, qu'elle adore, à ce, comment dire ça, cette tête là plus ou moins. Oh, cette musique par contre, elle est belle. Comme ça au moins ça fait référence au chat de ma copine. J'avais vraiment testé la création de personnage un petit peu hier au soir quand je venais télécharger le truc dimension du tronc. On va le faire trop gros parce que ça serait ridicule. Dimension de l'abdomen. Voilà. Bah, donc on peut créer totalement notre personnage, hein, on peut bien le configurer. Donc c'est ce que je suis en train de faire, dimension des bras. J'aime pas faire des bras trop gros, donc voilà, dimension des mains. On va les rétrécir parce que les mains petites c'est mieux que des trop grosses mains qui sont, je veux dire carrées, parce que regardez ça c'est plus ça des mains, c'est des mains carrées. Dimension des hanches, alors. Restons dans la logique que mon personnage n'est pas trop gros. Parce que si je fais ça, ça c'est les mains, merde. Si je fais ça, vous allez voir, voilà, ça commence à faire des sacrées hanches. Voilà, on va rester comme ça. Taille du postérieur, donc ça on va se mettre comme ça pour savoir la taille. Pour faire un trop gros, de toute façon, voilà. Donc oui, je vais faire un Khajiit mâle hein, aussi, pas féminin, je vais en faire un mâle. Alors, dimension des jambes, voilà, comme ça. Et dimension des pieds. Voilà. Alors, le visage. Donc là, c'est le truc le plus important, c'est notre personnage, donc je peux vraiment choisir, donc voilà, vous pouvez voir héroïque, doux ou angulaire, et on peut aussi faire un mix des trois en se mettant là. Moi, je vais plus me mettre ici, voilà, comme ça. Ce que vous pouvez voir, on voit la transformation du... Elle est de plus en plus fort, quoi. Donc on va se mettre ici en descendant un petit peu. J'hésite entre ça ou ça. Mais je trouve ça mieux entre doux et héroïque, je trouve ça plus sympa. Alors là les voix. On peut écouter les voix, mais je vais pas vous faire écouter. Bah, je vais prendre cette voix-ci. Qui est plutôt une voix normale. Alors les cheveux.
Il y en a pas mal de coiffures, hein, donc là c'est la coiffure de lion de base, hein, non ça me va pas. Il y a pas mal de coiffures différentes, mais je sais déjà laquelle que je vais prendre. Je passe juste comme ça pour vous montrer les différentes. Il y en a des biens, comme celle-là par exemple, celle que je vais prendre. Hein. Il y en a des biens comme il y en a des pas bien. Celle-ci ou celle-là, je sais plus. Ah, celle-là, elle camouflait les oreilles, ça j'aimais pas. Voilà, c'était celle-ci. Voilà, avec... On peut choisir la couleur des cheveux. Je vais prendre une couleur pas trop foncée, pas trop claire. Voilà, celle-ci, elle est sympa. Alors, l'âge. On va pas en faire un vieux, vu qu'on a dit qu'il était jeune. Bon, on va le laisser comme ça. Ornement, ça, par contre, c'est intéressant. C'est par rapport au tatouage... Enfin, c'est par rapport, voilà, des poids... Des récompenses par rapport à ce que tu as quand tu joues à ta classe, je sais pas. Bon, il y a des bijoux, il y a des... Il y a de la barbe, en fait. Bah, moi, je sais déjà ce que je vais prendre. Donc, voilà. Il y a des tatouages, des bandanas, un peu de tout, en fait. Et moi, ce que je vais prendre, c'est... comment dire ça? La barbe, là. Qui fait, quand même, le personnage a déjà du vécu. Il a déjà du vécu sur ce qu'il a fait. Par contre, comment dire ça? Ça serait peut-être mieux. Alors, ah non, ça change carrément la. Ah, c'est pas la zone de tatouage que je pensais alors. Attendez, me serais-je trompé de tatouage? Je vérifie, de toute façon on a notre temps. Je pense pas, non, je suis pas trop peu de tatouage. Non, hein. Non, c'est bien ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Avec la couleur qui va mieux avec la couleur des cheveux. Donc tatouage facial, ça c'est en fait des griffes par exemple que tu as dans le visage. C'est pas des tatouages, hein, c'est des coups. Donc il y en a aussi pas mal. Il y en a des plus, des mieux, comme il y en a des moins bien. Enfin ça c'est plus des tatouages, oui. Mais si je trouve pas ça super, on dirait un personnage en fait qui s'est fait pisser dessus, qui saigne à mort. Il y en a un seul que je trouve encore sympa et je pense que c'est celui-là que je vais mettre. C'est... celui-ci par rapport au coup que tu peux recevoir en te bagarrant en tant que chat, si puis-je dire. Celle-là ou celle-là, je sais plus. Je crois que c'était celle-ci, je sais plus, que j'avais trouvé sympa. On va mettre celle-ci, voilà. Et alors là maintenant on commence la chose, le visage en lui-même, donc pointe du front par exemple. Je peux faire en sorte que le visage soit vraiment comme je le veux. Taille des pommettes. Là on peut vraiment comment dire ça, choisir dire ça, vraiment la tête pour son truc. Taille de la mâchoire. Ça a rien d'en faire une grosse. Taille du menton. Voilà. Hauteur du menton. Il y a vraiment beaucoup, on peut vraiment beaucoup personnaliser son personnage pour qu'il ressemble à aucun. Hauteur du coup. Dimension du coup. Ah et ça c'est pour faire un gros coup ou pas quoi. On va faire comme ça. Couleur des yeux. Alors. On a pas mal de couleurs des yeux apparemment. Bleu c'est ce qu'on avait il y a 2 minutes. Il y a jaune, il y a rouge, il y a vert. Il y a vert d'une autre, il y a un autre vert. Il y a beaucoup de couleurs que je vois pas la différence. Nous on va prendre, je sais pas, rouge ça fait un peu con. On va prendre ce vert là, c'est sympa, taille des yeux. Alors là on peut choisir la taille des yeux pour qu'ils soient gros ou petits. Il n'y a pas énormément de différence, mais heureusement parce que sinon on pourrait faire des trucs disproportionnés. Inclinaison. Ça l'inclinaison, ça je vais la laisser comme elle est, on va pas y toucher. Je crois que j'y ai touché, voilà comme ça. Distance entre les yeux, là je peux choisir si les yeux doivent être rapprochés ou pas. On va laisser au milieu la hauteur des yeux et l'éclaircissement des yeux. Et on peut choisir d'être
Comment dire ça? Si, là en fait c'est, on est méfiant et tout, on peut être un peu sournois. Peut-être pas faire autant. Voilà, comme ça. Front, alors. Hauteur des sourcils. Non, on en a pas des sourcils. Ah ouais, mais il compte ça comme les... Hop. Inclinaison. Bah ça, on va laisser au milieu de sa rangée. Profondeur. Profondeur, c'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Voilà. Alors, nez, forme du nez. Je ne vois plus le chat du live, même si je pense pas qu'il y aura quelqu'un à cette heure-ci. On peut choisir d'avoir un nez plutôt gros ou un nez plutôt petit. Allongé ou raplati. Comme ça je pense que c'est pas mal. Hauteur du nez. Je peux faire en sorte qu'il soit pas trop petit. Voilà. Largeur du nez. Alors, laissons ça au milieu. Longueur du nez par contre, ça c'est... C'est pas super différent non plus. Hein. Voilà, comme ça je trouve ça pas mal. Alors, on est à la bouche, on va dire hauteur de la bouche. Voilà, courbe de la bouche. On peut faire qu'il soit content ou pas content. Voilà, comme ça j'aime bien épaisseur des lèvres. On va laisser ça, on va mettre ça comme ça. Taille des oreilles, ah ça, ça m'intéresse. Parce qu'en étant un chat, on a des oreilles. Et donc il faut y penser. On a grandi un petit peu. On peut les pencher d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si ça... Ouais, c'est plutôt en avant ou en arrière. J'aime bien en avant comme ça. Hauteur des oreilles. C'est pour qu'elles soient plus hautes, hein, je suppose. Vérifie. Ah, c'est pour qu'elles soient un peu plus hautes en fait, plus grandes, plus hautes. Donc. Voilà, nous sommes quand même à Kajin, nous avons des oreilles de chat et la forme des oreilles. Soit plate comme ça, soit arrondie. Ça c'est à mon bon vouloir, donc je vais regarder par derrière. Voilà, comme ça j'aime bien. Et donc voilà, dans la logique des choses, on a fini notre personnage, on a fini notre Jadakar. Donc si je peux normalement dézoomer. Voilà, on a notre personnage de devant et de dos. Donc on a notre petit Kajin. Donc on va cliquer sur créer, donc connexion en cours, requête du chargement des personnages. Et nous allons commencer à voir à quoi ressemble The Elder Scrolls Online. Sur ce jeu, j'espère que les chargements sont pas trop longs, donc j'ai tout le jeu en ultra en passant pour ceux qui s'intéressent. Alors WASD pour vous déplacer. Bon bah ça m'arrange. Par contre, vous avez reçu un objet à collectionner. Vous pouvez utiliser voir vos objets de collection en appuyant sur eux. Ah d'accord, Z c'est pour ouvrir les mains. Donc si j'appuie sur U, collection. Le menu collection regroupe toutes les collections et tous les lots contenus téléchargeables de vos comptes. Les collections comprennent des gizmos à porter, des familiers pacifiques, des montures. Chaque fois que vous obtenez un nouvel objet de collection, il est accessible en utilisant depuis ce menu. Vous pouvez aussi afficher un objet de collection raccourci via le menu des raccourcis. Ok. Pas dans la collection. Ah, c'est pas dans la collection. Ah oui, j'avais fait la phase bêta du jeu, donc apparemment j'ai droit à avoir un singe de qui me suit, parce que j'avais testé la bêta, sauf que je n'avais jamais joué pour finir à la bêta. Enfin, j'y avais jamais joué après parce que ça me... Ça m'avait refroidi... Le fait, en fait, que... Comment dire ça? Le fait qu'on avait... Comment dire ça? Il y avait un abonnement avant à voir, ça m'avait rafraîchi. Donc les gars, on va aussi régler notre notre gameplay, donc au niveau des déplacements. En tant que là, en tant que sur ce truc là, on va... Je sais où les commandes, voilà là. Alors, déplacement, Z, parce que c'est bizarre, autant sur Overwatch, il faut que je... Z, S, basculer, course, marche,
Mage, alors, raccourci principal pour sprinter, associé, se déplacer à gauche, à Q, pour objet de raccourci, associé, D, espace, course auto, BS4, esquiver, GG plus touche 1, je sais pas ce que ça veut dire, activer monture H, combat, attaquer, sprinter, donc sprinter on va le mettre sur Alt, raccourci principal pour fenêtre des personnages. Fenêtre des personnages on va le mettre sur Tab. Hein. Furtivité contrôle, synergie, je sais pas ce que ça, changer d'arme c'est U. Compétences, ah voilà pour ça, c'est pour ça que je veux faire ça, c'est parce qu'il y a les compétences qui sont là. Objet de raccourci, donc on va le mettre sur A. Dégainer, rengainer, on va le mettre sur R. Raccourci personnel, compétence ultime. Donc compétence ultime, on va le mettre sur F. C'est déjà pour interagir avec un joueur, merde. Compétence ultime, on peut la mettre sur quoi? Si je joue comme ça, on peut la mettre sur... Non, mais non, ça sera... Je suis en train de réfléchir. X. Synergie dans C. Il y a tellement de touches! Interagir avec l'environnement, c'est ça, faire défiler les quêtes. Contrôler familier, collection. Bah collection en fait, on s'en fout un peu, hein. Donc tic 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 tac tac U. Pour la compétence ultime U, je suis pas... On a verrouille image, mais verrouille image, le problème c'est que si je fais, si j'oublie ça... Donc ça serait 6 alors, donc tac, pour compétence ultime ça serait 6. Associé. Et je pense que c'est tout hein. Je regarde hein, mais je crois que j'ai tout répondre fenêtre de personnage. Ça c'était quoi? C'était Tab hein. Ah non c'était quoi? Ah non fenêtre de personnage c'était autre chose. Fenêtre de personnage limite je peux mettre sur Ah mais bouton de souris ne fonctionne pas sur ce jeu. Ah voilà. C'est le secondaire pour changer d'arme. Voilà, affichage de l'IU, répondre à un chuchotis. Là il y a énormément de cartes, hein, il y a énormément de trucs, donc voilà. Donc voilà, on va commencer à jouer. Attendez un peu. Ah, ah. Bonjour. Je m'appelle Lyris. Enchanté Lyris. J'espère que vous pouvez encore vous battre. Vous allez devoir vous défendre. Donc hop, je peux ouvrir, apparemment c'est un truc de chargement, mais ça a été assez vite. Hein. Alors pour ramasser du butin, il faut que j'appuie sur le corps de quelqu'un et appuie sur E. Donc je dois aller sur lui par exemple. Ah non, ça fonctionne que sur quelqu'un apparemment. Épée, longue enfer abandonné, prendre. Appuie sur E pour préparer votre arme, voilà. Gardez votre arme en main et prenez garde, ces lieux sont riches en surprises. Vainquez le garde. Bon, normalement. Avancez. Il y a d'autres. On peut pas les. On peut pas les fouiller. Je suppose que non, vu qu'on est sur. On est en début, donc on n'a pas le droit de les fouiller. C'est le tutoriel, quoi. Donc. Oui, t'es comme pour lui. Allons-y. Liprus Titan. Ne vous arrêtez. Avancez, d'autres gardes seront bientôt là. Ok. Vas-y les riches, te suis. Les deux qu'on a bien évidemment la touche pour sprinter. Maintiens les gardes. Là on apprend les bases du combat donc ok. Ok donc là c'est vraiment pour nous apprendre. C'est voilà donc c'est. Donc ok maintenant je peux charger mes épées. Comme vous je suis ici prisonnier. Vous devez me secourir. Et je devrais le faire à mon tour. Ah bon? Attendez un peu. Venez. Faut que je lui parle. Le prophète?
Lui aussi est prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de vous parler même un bref instant. Il doit estimer que vous pouvez m'aider. Vous aider à quoi exactement? En le libérant, bien sûr. Croyez-moi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Tamriel. Et qu'est-ce qu'on fait à présent? Ces tunnels nous mèneront autour des yeux. C'est là qu'on trouvera les sentinelles. Parlez-moi des sentinelles. Ce sont des assemblages magiques créés par Molagbal pour guider sa vision à Havreglas. Les sentinelles sont reliées. Si nous en détruisons une, les autres seront aveuglées. Avec de la chance, ça nous donnera le temps de libérer le prophète. Et comment on va les détruire? Je ne sais pas. Par la force. On trouvera bien. Il le faut. Soyez prêts à tout. Qu'est-ce qu'on fout ici déjà? Molagbal et laisser ses sentinelles sans défense. J'ai tant de questions. J'en suis sûr. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Quel est cet endroit? Où suis-je? Vous êtes plus en Tamriel, bien évidemment. Ah! Pensez au coin le plus pourri et déprimant possible où vous avez jamais mis les pieds. C'est le paradis comparé à Havreglas. Mais à Havreglas, d'accord. Et pour couronner le tout, je sais pas trop comment le dire en douceur. Vous êtes mort. Comment ça, je suis mort? Alors comment on fait pour avoir cette conversation? Je sais pas. Une fois qu'on aura secouru le prophète, il sera ravi de vous parler des dieux et d'Oblivion. J'y comprends rien pour ma part. Si je suis mort, qui c'est qui m'a tué? Il est nommé Mani Marco. Son culte du verre se livre à des rituels en Tamriel. Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison à Molagbal. Après votre mort, ce qui restait de vous est apparu ici. On vous appelle les Apsous. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous êtes un esclave et que vous passerez le reste de l'éternité ici, à Havreglas, à travailler sous le fouet des Dédras. À moins, bien entendu, que vous me suiviez. Mais vous êtes mort aussi, non? Non, j'ai pas été sacrifié. Qu'est-ce que vous ici alors? Le prophète et moi, on a été amenés ici, conventionnellement si on peut dire. Mais on est prisonniers, tout comme vous. Et c'est qui le prophète? Il est étrange, c'est sûr. Mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connaisse. Il voit des choses, le passé, le futur. Ok, au revoir. Donc j'essaie, je veux savoir vraiment toute l'histoire, parce que c'est un truc dans MMORPG. Bon, je cherchais déjà un petit MMORPG pour me passer le temps. La santé, la vigueur. La conscience de votre évasion. Pressez-vous. Appuyez sur eux pour investir vos points. Alors, on va les mettre en vigueur. Hein. Un point de vigueur, donc voilà. Ah là, je peux commencer à fouiller, regardez. Alors, ingrédients pour créer des objets de style post-mer, prendre, appât de pêche. Je veux pêcher, sérieux? La blague. Charrette fouillée, os. Donc faut savoir que je vais tout fouiller, hein, crâne. Ça me donne des crânes en plus. Ah, il est pas mort en plus. Chariot vide. Parce que bon, là s'il y a des livres par exemple, je vais les lire sûrement, mais pas en live je pense, et pas en vidéo. Je les lirai sûrement de mon côté, parce que bon, il faut savoir que je ne ferai pas que du live sur le jeu, je jouerai aussi de mon côté de temps à autre. Alors, aussi autre chose. Oui, pour le moment vous voyez personne. Je pense que c'est normal vu que c'est quand même le tutoriel. Donc je pense qu'au niveau du tutoriel, on n'apprend pas grand chose. On voit pas de gens pour le moment. Les tours des cieux, hop, arrivons-y. Parce que j'ai d'abord posé des questions avant de me. Comment dire ça? D'aller sur le jeu. On doit détourner son attention. Alors, la boussole indique les objectifs de quête actuelle. Voilà, si vous vous perdez, appuyez sur 1 pour ouvrir votre carte. Si j'appuie sur carte, et vous avez une sentinelle, ok. Alors. D'ailleurs là, on commence à voir des joueurs, hein, on en a vu un. Hein.
Allez. Bon, là, c'est facile, hein, ce tutoriel. Mannequin d'entraînement. Elle parle à elle, je croyais qu'elle parlait à moi. C'est bien, ça va aller, oui. Donc, il faut s'amuser à bloquer au bon moment et tout, ok. Arme à deux mains améliorée, mais je veux pas améliorer mes armes à deux mains. Moi, je veux être un... Un tueur à une main. Ah, ça va pour loin, c'est bon, c'est simple aussi, c'est le DLC, c'est le début. Ah, et lui, on peut le fouiller. Alors, diminue le coup de sprint et les roulés boulets de pour son pantalon d'Absou. C'est une armure moyenne, enveloppe de Daedra, se vend à un marchand contre de l'or. Produit un poison de nécessite l'autorité descendante. Donc alors là, on a récupéré un objet, je sais pas comment on a dans notre inventaire. Et pour équiper un objet, on appuie sur E, ou utiliser un objet. Faites un clic droit sur un objet pour plus d'options. Marquez les options désirables comme rebut, vous pouvez les rapidement vendre ces rebuts dans n'importe quelle boutique. Alors, donc si je prends ça, ça va m'équiper d'un nouveau pantalon, voilà, effectivement. Ok. Nouvel équipement, j'attends avec impatience d'avoir une autre arme que celle-ci. Oula, un zombie. Ah ok, je peux esquiver, d'accord. Donc si j'appuie deux fois, ça me fait esquiver. Regardez, on commence à avoir des joueurs. Venez donc en chercher d'autres, t'as deux orques répugnants. Alors, urne. De l'eau naturelle. Donc voilà, là on commence à trouver des... On commence à avoir des joueurs autour de nous. C'est déjà plus agréable. Je sais pas si on peut prendre des dégâts de chute. Baudrier artisanal. On va toujours prendre. Il faut savoir qu'on peut tout fouiller dans le jeu. Alors on est sonné. Alors on est mort. On peut tout fouiller, les autres joueurs peuvent fouiller avant nous. Recette, c'est à la menthe. Seigle. Là, vous pouvez voir qu'on peut vraiment tout fouiller quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue tout ce qu'on peut fouiller en fait. Le problème parce qu'il paraît apparemment moissonneur de cire, apparemment le problème qu'il y a, ça serait Ah, c'était un autre joueur ça. Alors je peux le fouiller. Cœur de Daedra, je prends. Je peux aider les, en fait je peux aider, on peut aider les joueurs aussi s'ils sont en combat et tout, donc c'est plutôt agréable. Inventaire, j'avais récupéré un truc normalement. Ça. Équipé. Parce qu'apparemment ça donne pas mal d'armure. Donc je m'occupe de. Allez, alors sur attaque, de toute façon je te bloque. BAM. Dès que ta mère. Donc Fallout, c'est pas un jeu super immersif, hein, c'est contraire. Merde. Par rapport à bien sûr Skyrim, c'est pas un Skyrim numéro 2. Hein. Y a une différence. C'est un MMORPG donc. Elle, on voit que c'est une sorcière. Alors. Armure légère améliorée. Oh un coffre. Botte en cuir brut. Je prends. Alors, en plus ça me donne de l'armure. Donc c'est très bien, ça me donne plein d'armure. Bon pour le moment c'est assez simple, mais j'aimerais bien avoir une arme à une main s'il vous plaît. Parce que là j'ai pas trop le choix apparemment d'être avec une arme à deux mains. Ça aurait été un combat équitable si vous aviez été. Sinon j'aurais fait en sorte que... Oh des crochets, ça c'est pour voler
Bon, je pense que ça peut se vendre, donc... Merde, je me suis fait remarquer. Bon, on va aller buter les trucs, là. Je peux me battre aussi en une main. Mais je sais pas, ici, je trouve plus simple de te battre en caméra. Hop. Faut savoir qu'il y a aussi des add-ons qu'on peut rajouter si je trouve par exemple le jeu trop gris ou des trucs comme ça. Je peux rajouter des add-ons. Mais je l'ai battu la sentinelle. Ah voilà, il faut qu'elle pop en fait. Donc là on est à deux joueurs sur le même truc. Je sais pas s'ils entendent par sentinelle, on va le suivre. Tâchez de pas vous faire remarquer. Juste de sortir de là. Peut-être par là enfin. Ah oui c'est ça, ok, sentinelle. Appuyez l'attaque sourdoise pour détruire la sentinelle. Appuyez sur contrôle pour passer en mode furtif. Lorsque vous êtes caché, appuyez sur truc pour porter une attaque sourdoise. On doit aller à la cellule du prophète. Et c'est où ta cellule de prophète là? C'est au milieu de la zone. Est-ce qu'on meurt si je fais ça? Oui, on meurt. Un orateur ressuscité à l'endroit où vous êtes mort, foutu de bière de table. Bon bah. D'accord, c'était pour tester, hein, au moins là je sais. Au moins le test est fait, on peut mourir de chute, donc c'est bien fait, c'est bien foutu. On n'est pas invincible. Alors il faut sauver l'autre là. Pauvre fou, vous ne vous échapperez jamais de mon royaume. La porte est gardée, on n'entrera jamais par ici. Sérieux? Parlez à l'Iris. Bon sang. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen. Oh, putain. Peut-être que Cadwell peut nous aider. Qui est Cadwell? Cadwell est le plus vieux des Absous. Après des années de souffrance, les Absous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Il était déjà fou avant de quitter Tamriel. Aussi cinglé qu'on peut l'être, mais inoffensif. Vous verrez. Et comment un témoin pourrait nous aider? Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient. Pour lui, Havreglace est un endroit merveilleux. C'est chez lui. Et il connaît les lieux comme le creux de sa main. D'habitude, il est près de la rivière. Allons le trouver. D'accord. Bon, bah, allons trouver Cadwell, hein. Pas agressif, hein, eux. Masse d'armes. Ouais, c'est ça que j'ai expliqué, c'est qu'on peut trouver vigoureux. Ajoute de ce... Ok, bah je prends, voilà. Un bonjour. Ah, c'est toujours de demain. Deux rois morts se levèrent pour se battre. Bonjour Cadwell, c'est toi le fou? À qui ai-je l'honneur? Vous vous promenez? Jolie casquette d'ailleurs. Vous devez être Cadwell. Sieur Cadwell, en effet, c'est un plaisir. Enchanté. La belle Iris, ravi de vous voir ma chère, comment allez-vous? Nous tentons d'entrer dans la cellule du prophète, la porte est scellée. Eh bien, ça doit être rudement embêtant, pas vrai? Un peu, oui. Je vais vous dire, il se trouve que je connais une autre entrée, un chemin bien plus agréable. C'est même une belle petite promenade, remplie de pièges et de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace entre tout ça. Et comment allons-nous passer? Prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds. Relevez le nez et attention aux pièges. Et vous devrez sans doute courir et enfoncer quelques crânes, je le crains. Et où est l'entrée alors? Suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Oui. Une fois dedans, restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au prophète. Saluez-le de ma part. Je vous remercie. Bonne chance. Passez me voir de temps en temps. Parlez-moi un coup de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est toujours la même histoire. Vaillants chevaliers, quêtes épiques, demoiselles en détresse... Et mort.
Je suis arrivé ici quand ma tête a été séparée de mon corps. Ça va pas. Façon fort cavalière, je dois l'avouer. C'était un coup dur, mais eux m'ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et depuis combien de temps vous êtes là? Oh, ça fait vraiment longtemps. En fait, je ne serais pas surpris d'être le plus vieux des absents. Mais tu l'es! Et parmi ceux qui ne sont pas devenus enragés, bien entendu. Ah ça, par contre, c'est plus dur. Je connais chaque tunnel, chemin, coin et recoin. Les autres comptent sur moi, je suppose. D'où connaissez-vous l'Iris? Ah, l'Iris. Elle est aussi cinglée que le pyjama de Shiogorath. Elle a bon cœur, au fond. Elle dit qu'elle doit sauver le prophète pour nous sauver tous d'un tourment éternel. Ah. Je ne vois pas du tout comment un vieil aveugle pourrait y parvenir. Et que savez-vous à propos de ce prophète? C'est un gentilhomme impérial. Apparemment, il fut autrefois un mage puissant, mais les années n'ont pas été tendres avec lui. L'Iris dit qu'il connaît le chemin pour revenir en Tamriel. Si une telle chose existait, je l'aurais déjà trouvé. Vous pensez qu'il n'y a aucun moyen de rentrer, en fait? Je n'y ai pas vraiment pensé, en fait. Je suppose que tout est possible. En vérité, je suis ici depuis si longtemps que je m'y sens chez moi. Mais une bonne révolte de temps en temps, voilà qui met de l'ambiance. Alors où est le mal, hein? Le truc qui me surprend vachement, ouais, en fait, c'est le fait que tout est traduit. C'est vous tombez sur tout et tout parle, tout le monde parle, hein, tous les personnages qui parlent apparemment. Et ça, je vous avouerai que ça me surprend pas mal. Parce que d'habitude dans les MMORPG, voilà, vous avez des quêtes. Vous avez des quêtes et c'est pas vraiment voilà traduit. C'est débrouille-toi, c'est écrit en français, oui. Mais les personnages ne parlent pas, tandis que là les personnages parlent. Et ça j'avouerai que ça m'impressionne quand même pas mal. Ça je vous avouerai que pour moi c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Eh ben dis donc, pas très très sympa les gens. Alors, c'est pas de se voir, si vous avez un crochetage dans votre inventaire, appuyez sur E pour essayer de crocheter leur serrure. Maintenez le crochet jusqu'à une coupie et maintenez le truc enfoncé pour tenter de la bloquer. Relâchez dès que la boquille trempe pour la bloquer à sa place. Mettez toutes les goupillons en place avant la fin du chronomètre. Plus vite vous aurez ouvert cette porte, plus vite on pourra sortir. J'ai pas compris. Trouvez la cellule du prophète. Et au départ il était pas focus sur moi, apparemment il était monté en niveau. Alors c'est... On va augmenter notre santé, on en aura besoin je pense. Là disons que pour le moment on bouge pas beaucoup. Vu que... comment dire ça? Purne. Les crochets, merci. Caisse, du jasmin. Oh, Bedakai. Oh, je pensais qu'il y avait des choses mieux que ça, mais non. Parce qu'il y a aussi des métiers à ce que j'ai entendu. Et donc en conclusion, bah, tout récupérer est assez intéressant pour quand il faudra faire les métiers et tout. Si j'ai bien compris. Parce que bon, je me suis un petit peu informé quand même sur le jeu avant de l'acheter. Je me suis dit. Meurs! Cet endroit en peste. Ah, c'est fait aider par un mec, même si je pense pas qu'on en avait vraiment besoin, mais c'est sympa quand même. C'est ça que j'aime bien dans les MMORPG, c'est que là tout le monde peut t'aider en fait. Bouclier. On a trouvé un bouclier, mais on a toujours pas d'arme à une main. Bâton de rétablissement, on va le prendre, ça fait toujours de l'or, je suppose.
Ah, bâtonneur rapidement en érable, donc c'est sûrement un truc de magie. Bâton infernal. Ah, j'ai l'impression qu'ici en fait on trouve tous les trucs qu'il faut. Fouiller le coffre, bâton infernal en érable. J'ai l'impression qu'ici on tombe sur pas mal d'armes en fait. Donc ça voudrait dire que j'aurais raté j'aurais raté l'épée à une main. Je voulais être caché. Normalement t'es pas censé me voir. J'ai pas encore assez de discussion. Et puis on a aussi le truc. Désolé, vous avez mal? Non. Vous en avez l'air. Pas se ronger. Bizarre, je m'attendais qu'il y ait un truc à une main ici, vu qu'on a quand même trouvé un bouclier. Je regarde rapidement. Hein. Un arc. Oh. Donc effectivement, apparemment, il y a des armes sur les corps ici. Donc j'avais raté. Donc, et je peux maintenir pour interagir avec les joueurs. Ah, je suppose que c'est échanger et tous les trucs comme ça. Alors. J'essaye de voir parce que bon, si là il y avait toutes les armes sauf la barre une main, j'appelle ça du foutage de gueule. Mais pour le moment, c'est bien l'impression que j'ai. Paf! Alors on s'est fait stun. Bah, j'ai l'impression en fait il y a toutes les armes sauf les armes bah, alors là je suis déçu. Merde, j'ai pris un peu feu. C'est normal si je reviens en arrière, c'est pour vérifier ces trucs. Épée à une main, voilà. C'est qu'on est vraiment très moche. Et donc on a un bouclier en attendant, on peut s'équiper du bouclier. Et on a un arc. Ok, donc arme à une main plus arc. Je crois que c'est à l'ennemi. Oh là 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 là. Regardez ça les mecs qui me suivent, c'est trop bien, c'est trop bien. Les mecs qui me suivent en mode ça te dérange si je viens avec toi? C'est trop cool. Juste devant nous, vite, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, effectivement. Très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé ici en un seul morceau et que le prophète a l'air indemne. Effectivement. La mauvaise, c'est que vous allez devoir le ramener entier en Tamriel. Ah. Je viens pas avec vous. Et c'est une autre histoire? Il y a une condition pour ouvrir la cellule. Ouais. La seule façon pour le prisonnier de partir, c'est qu'un autre prenne sa place. Je dois prendre celle du prophète. Il n'y a pas d'autre moyen? Croyez-moi, je préférerais que ce soit le cas. Mais je vois aucun autre être vivant, il me semble. Ouais, effectivement, si Molag Bal n'est pas arrêté, il va détruire tous les gens et tous les lieux que nous avons toujours aimés. Je suis prêt, je vous attends. Quand ce sera fait, mettez-vous en route. Le prophète saura où aller, mais il aura besoin de vos yeux et de votre protection. Au revoir. Donc je dois défendre l'Iris. Donc je suppose qu'elle va se faire attaquer.
Pour moi, il doit y avoir un moyen pour... Ouais, sauf que... Ça, c'est ça pour le moment. Tac. Avec l'arc. L'échange. Oh putain de merde. La liberté. Je me rappelle ce sentiment. Mais il sera éphémère si mon appel parvient à ses fins. Attendez, parce qu'il faut que je me rééquipe du bouclier. Il est où le bouclier? Bonjour. Loué soit les divins. Vous allez bien? C'est toujours ça de prix. L'Iris a tout sacrifié pour que nous puissions être libres. Son sacrifice ne doit pas être vain. Il n'y a aucun moyen de l'emmener avec nous? J'aimerais pouvoir. Mais je vous le promets, une fois que nous aurons fui Havreglas, nous trouverons ensemble un moyen de la secourir. Vestige. Vestige? C'est le nom que je vous ai donné. D'accord, sympa. Ce n'est qu'un reliquat de votre ancien vous. Un être sans âme. Un récipient vide qui désire être rempli. Docteur ! Les parchemins l'avaient prédit, mais j'avais imaginé les choses différemment. Pourquoi l'Iris vous appelle-t-elle le prophète ? C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler. Mon véritable nom est perdu, même pour moi. Des années de tourments ont prélevé un lourd tribut. Allons vite ! Nous devons nous hâter jusqu'à l'encre. Attendez, parce qu'on me sonne, ça va pas prendre l'attention. Soit les divins. J'aimerais. C'est le nom que je vous. C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler. J'en étais ici. Mon véritable nom est perdu. Pourquoi la barbe ressort ici, ça vous. Des années de temps. C'est une blague, elle ressort, c'est vrai. Je reviens. Allons vite. Nous devons nous hâter jusqu'à l'encre.
Ma mère a l'art de me sonner comme si j'étais un enfant de 5 ans qui était tout seul à la maison. Voilà, est-ce que ça va bien? Y a pas de problème ni rien. Bon alors, mon véritable nom est perdu. Allons vite, je vais trouver jusqu'à l'encre. Les encres sont des machines d'Edric, issues de la magie la plus noire. Leur chaîne enserre notre monde et la tire vers Havreglace. Ah bon? Je peux me servir d'une de ces encres pour nous ramener vers Tamriel, mais vous devez m'y mener. Très bien, ne vous étonnez pas. Montez l'escalier, vite. Nous devons aller à l'ancrage. Donc apparemment, il est aveugle. Oh, regardez! J'étais sûr, il faut fouiller quand c'est des jeux comme ça. T'as toujours moyen de trouver des trucs. Allez, là, il va... Ah non. Là, il y a une petite urne, là, fouiller. De la menthe. Parce que je disais trop, on peut trouver des trucs intéressants. Regardez, si j'aurais pas fouillé, j'aurais pas trouvé tout ce qui était épais et tout. Là, je me serais retrouvé bien con. Bon voilà, ça fait, y'a plus qu'à y aller. J'ai plus de stamina. Ça va, il me suit parce que apparemment il est aveugle, donc il faut faire attention à qu'il ne nous lâche pas. Le meilleur m'a demandé de faire quelque chose, donc je pense que quand je serai sorti du tutoriel, le bah voilà. Faudra que j'aille faire cette chose exactement. De l'encre noire. J'avais fait une sauvegarde rapide mais je peux pas. Y'a pas moyen d'avoir des sous-titres. Qu'est-ce que c'est que ce truc là déjà? De l'encre noire est loin au-dessus de nous. Je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à lui. Mais d'abord, vous devez vous réharmoniser avec Nirn pour retrouver votre forme physique. Pour cela, il vous faudra un éclat céleste. Un éclat céleste? Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn. D'aucuns les attribuent à l'Orcane, le dieu manquant de la création. Si vous le ramassez et absorbez son pouvoir, il devrait restaurer votre forme corporelle. Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez. Je suis prêt. Attends, parce que là, il y a du truc à récupérer. Tombez sur un coup et conférez-nous. Non ? Tout a déjà été fouillé, c'est ça ? Ah, pas ça. Trois œufs clairs. On trouve des affaires. Un coffre ! Bâton de glace en érable, toujours le prendre, hein, côté. Je fais bien de fouiller en fait. Des crochets, magnifique, ça j'aime bien. Puisque les crochets ça peut servir à faire des serrures quoi. À ouvrir les serrures et tout. Et comme j'ai l'intention de faire un peu un voleur assassin, je pense que ça pourrait être sympa. Encore des crochets. De l'orge. Deux eaux naturelles. La fouillardise, la fouillardise. Brassard en cuir, attendez. Ah mais j'ai mieux en fait là. J'ai déjà mieux d'équiper. Alors, encore des crochets, magnifique. Et encore un crochet. On va pas
pas s'en plaindre, ça nous donne des crochets, moi j'aime bien. Voilà, je pense qu'on a tout fouillé. On peut donc aller récupérer les classes à l'est. Les éclats CS sont dispersés à travers tout Trabriel. Chaque fois que vous collectez 3 éclats CS, votre personnage gagnera un point en compétence. L'emplacement des éclats CS peut être trouvé en déchirant des indices trouvés dans la section des éclats CS des succès de votre personnage. Que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Vite, nous devons partir tout de suite. What? On vole! Le pêcheur de Kenareti, l'île au sud de la côte d'Esfoer, donc du côté des Khajiits. Le nom de la porte le nom de la divinité Khajiit du ciel et du temps qui est immédiatement représentée par un majestueux faucon. Elle a de nombreux... Ah, la fuite est une option parfaitement valable si vous vous retrouvez en mauvaise posture. Trouvez ou fabriquez un meilleur équipement, utilisez des points de compétences ou gagnez quelques niveaux, puis revenez tenter le combat. Sympa, on peut fuir des combats, on n'est pas obligé de se battre comme ça. Ah, on peut voler. Une fois de plus. Bon, si, sur la propre d'autrui. Et le vol est un crime. Si un citoyen est témoin de votre agissement, votre tête sera mise à prix et les gardes confisquent les biens volés. Ou si vous n'arrivez pas à fuir, vous pouvez prendre des objets volés à un receleur dans n'importe quel refuge dehors la loi. Alors, bonjour, prophète. Comme je le craignais, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je suis dans une ville côtière, dans un pays de printemps éternel. Je peux sentir l'océan, les fleurs écloses et l'odeur des marchés et des jardins. Peu importe, vous êtes éveillé et nous devons vous donner un cap. Combien de temps puis-je rester inconscient? Quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception du temps et de l'espace. Ah. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvé dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. Et maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de l'Iris. Je ne puis abandonner à la rage de Molag Bal. Et quand est-ce que nous reverrons alors? Je ne saurais pas le prévoir. Pas encore. Mais nous nous reverrons. Nous avons encore fort à accomplir. Acceptez la quête. Prenez garde, Vestige. Notre plan d'existence court un grand danger. La menace de Molag Bal pèse sur tout Tamriel et le chaos s'étend dans son ombre. Le danger se répand sur nos terres et prendra de nombreux visages. Ne vous laissez pas prendre par surprise. Et où est-ce que je dois me rendre alors? Vous devez trouver votre propre voie. Mais il y a peut-être une raison à votre présence ici. Explorez les lieux. Ouais, parce que... Cherchez une cause à aider. Unissez vos forces à d'autres. Vous pourriez même tenter de retrouver ceux qui vous ont tiré des flots. Mmh. À vous de décider. Vous pensez que beaucoup de personnes ont besoin de mon aide? Oui, je sens qu'ils se trouvent Albus, en ce moment Dumbledore. Même des gens de bien près de vous. On est d'accord. Il me semblait bien qu'il y avait une voix qui me... Il me semblait bien que sa voix me rappelait ils quelque chose. Ils ont besoin d'aide si vous mais êtes je savais prêt plus à quoi. La porter. Pour déjouer la volonté de Molag Bal, nous devons affronter le mal où qu'il se présente. Et il se trouve que d'autres aventuriers pourraient m'aider. Nous ne sommes pas seuls en cette période éprouvante. Nombreux sont ceux qui se soulèvent pour repousser les ténèbres. Où que vous alliez, vous rencontrerez d'autres braves qui partagent votre valeur. Aidez-les si vous le pouvez, et demandez leur secours lorsque vous en avez besoin. Ah, au revoir. Ouais, voilà, il me semblait bien que sa voix me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à savoir qui. Alors, je peux voler. Zal, qui a de la cire de bonne lâche. Donc on peut voler, donc j'ai monté un niveau d'ailleurs. Comment on fait encore? Je ne sais plus comment on fait pour monter de niveau. J'ai oublié.
C, non? Ouais, c'est ça, C. Ouais, ça serait bien que je regarde ma magie, en fait, un peu. Et oui, je trouve qu'il a la voix de Dumbledore. Mais voilà, ben moi aussi, il me semblait bien. Les lignes de compétences vous permettent de personnaliser votre style de combat et de jouer comme vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner les compétences et que vous l'aurez fait, appuyer sur plus pour débloquer une compétence. Les compétences actives peuvent être équipées dans votre barre de compétences en appuyant sur gna 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 gna. Les compétences passives sont toujours actives et vous octroient leur effet permanence. Les compétences ultimes sont des compétences plus puissantes si appuyez en utilisant sur la touche 6, ok. Alors, l'âme de l'assassin, durée d'incantation instantanée, ennemi coût 1890 magie. Hein. Donc de toute façon je peux prendre que ça. Le lanceur lance une lame magique avec précision portée pour afficher 1558 de dégâts de magie à un ennemi. Inflige 300 points de dégâts supplémentaires, 300% de dégâts supplémentaires aussi qui ont 25% en moins. On va regarder un coup s'il n'y a pas. Donc apparemment on a le droit, oui, à augmenter les trucs, mais sauf que là, bon, je vais quand même... Ombre, frappe voilée, blesse un ennemi et lui inflige 3111 points de dégâts de magie. Attaquez avec frappe voilée lorsque vous êtes discret et invisible, étourdi la nuit déséquilibrée pendant 4 secondes. Discord, vole la force vitale d'un ennemi, lui inflige 2700 points de dégâts de magie et vous soigne plus de 25% des... On va prendre ombre, frappe voilée vu que la compétence que vous avez évoquée a été ajoutée à votre barre de côté. Un peu sur truc pour utiliser la compétence. Donc si j'appuie sur ça... Ça attaque effectivement. J'ai tué l'araignée mais... D'ailleurs je me remets les bottes mais je suis dégoûté de mon opérateur. Je devrais être à 70 mpps minimum max sans passer mais chez moi je tourne entre 4 à 8 mpps et ça fait pourquoi. Ça c'est évident, c'est chiant. Alors on est sorti donc... Du tutoriel. Le jeu a pas l'air moche hein. L'apparence de ses joueurs. Le jeu a pas l'air moche du tout. Il est bien oh là, sympathique. Je dois vous parler. Ah, c'est à moi que tu parles. Bienvenue au perchoir de Kenarty, mon ami. Cet ouragan doit avoir été des plus déconcertants. Tant de blessés, de gens stupéfaits. Parlez moins fort. Essayez de ne pas attirer l'attention. De quoi parlez-vous? Je suis là pour une mission un peu... délicate. Vous êtes exactement ce qu'il me fallait. Entre vos mains et ma bonne mine, nous parviendrons à nos fins. Et... en quoi avez-vous besoin d'aide? Tout d'abord une question. D'où veniez-vous? Si je vous le révélais, vous ne me croirez pas de toute façon. Si vous aviez atterri 5 pas au nord, vous auriez écrasé un rat, glissé sur ses entrailles, et vous vous seriez brisé le crâne sur un tambour d'alerte. L'île entière aurait été avertie de votre arrivée. Alors dites-moi, d'où venez-vous en réalité? Avroglas, le royaume de Molenbar. Il a l'intention d'envahir Tabriel. Tu me crois maintenant? Un prince d'Edra, dites-vous. Ma truffe sait flairer le mensonge. Pourtant, votre histoire me semble limpide comme l'océan. Mais si on vous demande d'où vous venez, que répondrez-vous? Avroglas, mon lac-bas, c'est apparaître de mon âme, Tamriel est en grand danger. Eh bien, vous avez la tête dure. La détermination a du bon, mais pour l'heure, il faut avant tout vous intégrer. Votre arrivée soudaine, ça ne cadre pas dans le paysage, vous en conviendrez. Qui êtes-vous? Rien qu'un Khajiit amical, honoré de voir quelqu'un tomber dans la mer depuis les cieux. Ah. Dommage que vous ne puissiez pas recommencer à loisir. Vous feriez fortune en faisant payer les spectateurs. Et pourquoi vous m'aidez? Parce que vous n'êtes pas un soldat, ce qui est pratique. Vous pouvez vous adresser aux gens du coin pour leur assurer que nous ne sommes ni des envahisseurs, ni des pillards. Venez, essayons de nous intégrer. Entendu. Alors, comme j'avais dit, je stopperai donc le live, parce que je dois vite faire un truc avant qu'on rentre. Et donc, je recommencerai, je sais pas si je serai encore là dans la journée. En tout cas... j'espère que le petit live là vous aura plu, ça fait un petit truc d'une heure, hein. Ça sera retranscrit sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là. Étranges vents se sont levés récemment. Les embruns sont emplis de douleur. Je crois que c'était quelqu'un de mort et qu'il y avait du stuff à récupérer.
Je suis caché, mais à moitié. Hein. Donc, pour le live, je le dis à la prochaine. Peut-être à tantôt, je ne sais pas, on verra bien. À tout à l'heure. Et pour ce YouTube, bah, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, t'es arrivé à la fin, en fait, Redabot. Et pour ce YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Et bien évidemment, bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Allez, à plus tard.